les oreilles. Il était une fois un vieil homme que tout le monde aimait dans le pays. C'était le meunier. Il fabriquait de la très bonne farine, mais voilà, il venait de mourir. Et ce qu'il laissait à ses fils était bien pauvre, son moulin, son âne et son chat. L'aîné des enfants eut le moulin, le second reçut son âne, et le plus petit, le chat, un chat très gentil et très câlin. D'accord, le chat est un bon compagnon qui ronronne quand il est content, mais est-ce que ce sera lui qui moudra le blé ou transportera la farine? Bien sûr que non. Et le pauvre garçon se lamentait, le chat sur les genoux. Comment gagner des sous avec ce malheureux matou, mais que vais je devenir? Et il se mit à pleurer, à pleurer. Le chat, en entendant les pleurs de son maître, fut horriblement vexé. Mais pour qui me prends-tu Je suis pourtant le plus beau des cadeaux. Allons, un peu de sang-froid, que diable, sa perlipopette Ce n'est pas en pleurnichant comme ça qu'on va s'en sortir. Un chat qui parle Le jeune garçon n'en croyait pas ses oreilles. Laisse-moi faire, en moins de temps qu'il n'en faut, pour compter jusqu'à dix, ta fortune sera faite. Apporte-moi immédiatement une paire de bottes. Et un sac. Le garçon se dépêche d'obéir, et voici notre chat vêtu d'un grand chapeau avec une grande plume, de magnifiques bottes en cuir, une ceinture avec une boucle dorée qui brille dans le soleil, et un gros sac sur son épaule. Et le chat s'en va dans la forêt pour exécuter son plan. commence par acheter quelques belles carottes bien juteuses et les pose à l'entrée d'un terrier de lapins. En un clin d'œil, une famille de lapins s'installe pour le déjeuner autour de ces belles carottes. Le chat leur saute dessus et hop, tout le monde dans le sac. Et il court vers le château du roi qui l'accueille très aimablement. Majesté, c'est mon maître, le marquis de Carabas, qui m'envoie et vous prie d'accepter ce gibier de sa part. Remercie ton maître pour cette délicate attention. J'en ferai un excellent ragoût dès ce soir. Pendant quelque temps, le chat continua son manège. Il apporte au roi du gibier, des lapins, des faisans, des bêtes à plumes, des bêtes à poils. Toujours de la part de ce prétendu marquis de Carabas, son maître bien-aimé. Et le roi, chaque fois, le remercie chaleureusement. Ne dit-on pas que les petits cadeaux entretiennent l'amitié Un jour, le roi vint à passer dans son carrosse avec sa fille. Le chat se précipita vers son maître, le vrai, le fils du meunier. Déshabille-toi, plonge dans la rivière et laisse-moi faire le jeune homme fit ce que lui demandait le chat et, sans discuter, sauta dans l'eau. Et quand le carrosse royal passa près de lui, le chat cria aussi fort qu'il pouvait Au secours Au secours Au secours Mon maître, le marquis de Carabas, est en train de se noyer Au secours Au secours Au secours Le roi fit arrêter le carrosse et envoya ses valets repêcher ce fameux marquis de Carabas. Merci, ô oh mon bon roi, mais des voleurs ont dérobé les habits de mon maître pendant qu'il se baignait. Il a pris peur et a bu la tasse, mais il n'a plus rien à se mettre sur le dos. Le roi ordonna qu'on apporte au jeune homme les plus beaux habits qu'on pouvait trouver dans le royaume. Et voilà le fils du meunier revêtu d'une magnifique veste en velours rouge et or, d'une chemise de soie d'un blanc éclatant et d'une grande cape noire. Oh, il avait fière allure. Et la princesse n'était pas indifférente à la beauté de ce jeune homme. Elle le trouva même fort à son goût. Quant au roi, impressionné lui aussi, il insista pour que le jeune homme continuât la promenade avec eux. Ils remontèrent tous les trois dans le carrosse qui continua sa route. Le chat se frotta les mains de satisfaction. Sa perle son plan commençait à avoir de l'allure. Il courut au devant du carrosse et dit aux paysans qui fauchait. Je vous ordonne de dire au roi que ces prés appartiennent au marquis de Carabas. Sinon, gare à vous, il risquerait de vous arriver des histoires. Les paysans obéirent, et quand le roi leur demanda à qui étaient ces prés, ils répondirent ce que le chat leur avait demandé Au marquis de Carabas, Au marquis de Carabas, Le roi fut ravi de voir que non seulement ce marquis était très beau, mais en plus, il était riche. Le chat recommença son manège un peu plus loin avec un autre chant, puis un autre, encore un autre, et à chaque fois, les paysans répondaient Sire, ces prés appartiennent à notre maître, le marquis de Carabas. Le roi est de plus en plus enchanté d'avoir un voisin aussi riche. Au détour d'un chemin, le chat arrive devant la porte d'un château magnifique qui domine la vallée. Il apprend que c'est le château d'un ogre et que cet ogre possède tous les prés que le chat vient de traverser. Le chat frappe aussitôt à la porte du château et l'ogre lui ouvrit. Il reçut très gentiment le chat, lui offrit à boire et à manger. Ils discutèrent un bon moment. Dites-moi, mon cher ogre, j'ai cru comprendre que les ogres sont capables de se transformer en toutes sortes d'animaux, du plus gros au plus minuscule. C'est bien la vérité, et je vais te le prouver immédiatement. Et l'ogre se transforma en un lion féroce et rugissant. Le chat eut tellement peur qu'il sauta à se réfugier sur le haut d'une étagère. ⁇ Ceci est très effrayant, mais êtes-vous capable, grand et fort comme vous êtes, de vous transformer en un tout petit animal Un hérisson, un chat comme moi, ou même une souris ?⁇ Ah ben oui, tiens, une souris. Oh non, c'est trop petit, une souris. Vous n'y arriverez jamais !⁇ L'ogre éclata de rire. <laughs> misérable petit animal un ogre est capable de tout et aussitôt une petite souris se mit à trottiner sous le nez du chat vous voyez bien que tout est possible l'ogre n'eut pas le temps de terminer sa phrase le chat avait mangé tout cru la petite souris plus de souris plus d'ogre dans la cour du château, le carrosse venait juste de faire son entrée. Le roi voulait rendre visite au propriétaire de cet endroit magnifique. Alors, le chat se précipita vers le roi et lui fit sa plus belle révérence. Sire, que votre majesté soit la bienvenue dans l'humble demeure de mon maître, le marquis de Carabas. Quelques boissons et gâteaux délicieux vous attendent en signe de bienvenue. En fait, c'était un dîner de cérémonie qui attendait le roi. Mille plats plus appétissants les uns que les autres. Et lorsque le roi aperçut les regards amoureux que se jetaient sa fille et le fils du meunier, le roi s'approcha du jeune homme et lui dit dans l'oreille Monsieur de Carabas, vous me rendriez le plus heureux des rois en acceptant ma fille en mariage. Le soir même, un feu d'artifice éblouissant célébra le mariage des deux amoureux. Quant au chaboté, il était épuisé. Il se coucha en boule devant la cheminée et se mit à rêver à toutes les souris qu'il pourrait manger si l'envie lui prenait de se réveiller.